Il est 19h. Nous sommes à la place de la Nation, appelée communément Cinquantenaire, un lieu de retrouvailles et de distraction pour les Ndiaménois. En temps normal, les habitués de cette prestigieuse place sont nombreux. Ils viennent de partout. Mais aujourd'hui, le coronavirus a pris le dessus. L'ambiance qui prévalait ici a disparu. Les visiteurs de la place de la Nation ont préféré de rester chez eux. Après quoi, cap est mis sur les quartiers les plus animés de la ville de N'Djamena. Le constat est le même, de Kabalaï à Moursal. Jadis connu pour leur ambiance bon enfant, c'est la sérénité totale. Les rues sont presque désertes, les maquis y compris. Question d'observer les consignes. Une contrainte qui a bouleversé le mode de vie et habitude des ambianceurs. C'est que sûr, chacun est cloîtré dans son coin pour attendre un retour à la normale. Il est 21h, le périple continue. Dans presque toutes les grandes artères que nous avons sillonnées, restaurants et alimentation ne dérogent pas à la règle. Les portes sont hermétiquement fermées. Plus on continue, plus nous nous rendons compte qu'il y a une prise de conscience quant aux mesures prises par le gouvernement. Pour traduire en acte ces mesures, les forces de l'ordre n'étaient pas du reste. On les croise partout. Leur dynamisme et leur détermination donnent à l'engagement du gouvernement toute sa rigueur. En somme, Ndiaménoises et Ndiaménois s'adaptent au moment, appliquent l'hygiène et évitent tout attroupement pour contrecarrer cette pandémie qui n'épargne personne. Seule condition sine qua non, le combat citoyen contre le coronavirus ne fait que commencer.